Yeah, t'es un pic pour qui? All right. Oh, attends, c'est un coq. Ok, kick. Let's go. C'est une game. Welcome to SNP News, people. Like, share. I'm on the streak, baby. Enjoy the show. So, on est back, SNB News, le patois est présent. J'ai pris mon temps. Donc, LJ, Spenty, Misogod et Kaza. All right, comme d'habitude, on va parler de la NFL, basket NBA. Champions League, les petits updates et la NHL pour tous nos fans qui nous demandent absolument d'en parler. On va commencer avec la NFL. La semaine passée, on a fait des épisodes, il y a beaucoup de sujets qu'on va ramener de la semaine passée et de cette semaine. On va commencer avec les Patriots. Les Patriots ont bench Mac Jones. Right? Bon, la question que tout le monde se pose à la maison, tous les fans des Patriots sont en train de mode. Est-ce qu'il faut aller draft un nouveau QB? Spenty, you start. Oui. Plain and simple, il n'y a pas de débat. Mac Jones et Billy Zappi ne sont pas les futurs. Puis, Bo Nix. By the way, on va revenir sur le draft. Mm-hmm. Caleb Wilson, absolument trash. Williams, my bad. Trash. Si quelqu'un doit draft un QB, ne draftez pas ce gars-là. Vous allez être in the mud avec ce gars-là pour le futur. Oh, what that bad? Il arrête pas de perdre. Oh oui, il a un losing streak. Il lance des picks. USC, sont. Probablement, il suit les trois après avoir eu le Iceman, puis il pensait qu'il allait gagner encore. Yeah. C'est sûr. Mais Bonix ain't it either. Non, mais mieux. Cette année, mieux que Caleb Williams. Ça voudrait me dire que si les Patriots ont un choix de QB, non plus Bonix et non plus Caleb. Lui de Washington, c'est quoi son nom? J'ai oublié son nom. Mais celui de Washington, c'est probablement lui qui va gagner le Iceman dans le QB, ouais. Pour toi, est-ce que tu aurais déjà fait un QB next year ou aller dans d'autres positions à la place? Ils ont besoin de tout, anyways. Mais il faut toujours trouver ton QB. Mais les Patriots, ils n'ont pas le choix de, comme tout draft, le meilleur joueur available, tu le prends. Il n'y a pas de. Comme ce que Bill Belichick fait tout le temps, il draft un joueur d'un random college first round pick. Puis tout le monde est comme, pourquoi il a pris ce gars-là, comme il va prendre un receveur qui sort d'un college par rapport, puis que tout le monde connaît pas, genre comme là, non, tu dois prendre les gros gars, comme tu vas aller prendre, tu dois arranger ta online, t'as besoin d'un QB, t'as besoin d'un running back. Ouais, t'as besoin de weapon pour un receveur. Ouais, c'est ça, comme. T'as besoin de D-Rush. T'as besoin de dominant receiver. Oui, 100%. Leur wide receiver core n'est pas horrible. Non, mais ça suffit, avec Tom Brady, ça marchait à avoir Wes Welker, Edelman, Amendola. Comme, ça suffit de prendre des no-name gars puis les elevate, là. Comme, t'as besoin de stars. Comme, t'as plus Tom Brady pour carry la team, là. Le gros QB, le gros de la génération. Maintenant, t'as besoin que tes joueurs carry ton QB. So, eux, ils doivent vraiment, genre, là, ils doivent vraiment se dire, OK, on recommence à zéro. Mm-hmm. So, faut commencer avec le QB. Moi, je dirais, je suis pas sûr des QB qui s'en vient. Encore une fois, je pense que les Patriots, surtout Belichick, je pense qu'il commence à devenir impatient avec ces vieux joueurs-là qu'il y a dans son équipe. Je pense qu'il devrait aller prendre un free agent, dont Joshua Dobbs. Dobbs est en train de ball out présentement avec les Vikings. C'est une de nos prochaines questions qu'on va en discuter après. Mais je pense qu'il devrait aller prendre des QB qui sont free agents présentement dans la ligue qui pourront amener une meilleure fiche pour lui et se concentrer sur la D-line et des receveurs élites qui sortent du college. Bon, c'est une bonne idée. Pourquoi je ne le ferais pas? C'est parce que Dobbs va sûrement vouloir un gros contrat après cette saison. Moi, ce que je ferais pour de vrai, si je suis vraiment les Patriots, si j'aime pas les QB qu'il y a là cette saison, moi, je sacrifie Mac Jones, de toute façon. Il va rejouer l'année prochaine, mais je draft comme des bons online, des bons receivers, comme des bons pieces. Puis le moment où je trouve mon QB, je build la team avant d'avoir le QB. Et après ça, j'ai juste à placer mon QB à la fin, pas. Puis je pourrais jeter Mac Jones, là, comme c'est dead. Comme je l'utilisais, comme je le sacrifiais, là, comme pas grave. C'est un pion, là. Ouais, parce que moi je pense qu'il faut vraiment qu'il se concentre sur les autres, comme je dis, des receveurs dominants, des running backs dominants et
une O-line. Une O-line dominante et des tackle dominants. Ouais, mais c'est, ça, c'est fini de payer des vieux gars comme Zeke. Pour, comme, non, t'as besoin de jeunes joueurs explosifs qui sont capables de faire des plays. Mais ça, c'était un bad move. J'avais oublié Zeke qui était là-bas. J'avais oublié Zeke qui était là-bas. Kaza, et toi? Draft un QB ou non? Mais c'est quoi la pression du pick des Patriots pour le prochain draft? On ne sait pas encore, ça dépend comment il finit. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ça dépend comment il finit. Je suis d'accord avec le fait qu'en draftant un rookie, tu n'as pas besoin de le payer aussi cher que si tu draftes un free agent. Mais tout dépend de c'est quoi ton agenda. Est-ce que tu veux gagner immédiatement ou tu plains pour? Ça se peut que Bill Belichick soit même plus là l'année prochaine. J'ai entendu des reports qui vont peut-être part ways amicalement. Ouais. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver, mais tout dépend de comment il finit sa saison. Posé. All right. Next question. Bon, il y a eu deux grosses blessures qui sont passées pour les Bengals et les Browns. Deshaun Watson is out, Burrow is out. Est-ce qu'on peut bag sur leur équipe pour faire les playoffs? Donc, Bengals out playoff and Browns out of the playoff. Musogod commence. Bon, moi, j'étais du camping de Bengals ne faisaient pas les playoffs à la base. Malheureusement, il y a eu injury. Mais les deux dernières années, c'est les Bengals qui ont profité que Lamar s'est blessé pour pouvoir gagner la division. So, dans cette division-là, c'est dur pour que les QB restent healthy all season. Mm-hmm. So, pour moi, les Bengals, c'est un surefire no. Puis les Browns, c'est pas impossible vu que Deshaun Watson jouait tellement mal que genre le lot QB c'est pas tant un downgrade. So ils jouaient déjà avec un QB qui était comme pas wow là. So, mm-hmm. Ils savent comment handle comme n'importe quelle situation. Tandis que les Bengals, je pense pas qu'ils peuvent jouer sans Burrow. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Bengals c'est terminé. Ils étaient dans un bon come-up. C'était, je pense, five-game winning streak. Je me rappelle bien. Non, ils ont perdu la semaine passée contre Texas. Mm-hmm. Ah, OK, ouais. C'est vrai. Ben, c'est un gros shootout. Bref, on voit que les Bengals, ça allait vraiment bien. Mm-hmm. Et puis, avec cette continuité, ils allaient se rendre dans les playoffs. Dès Burrow s'est blessé, guys, j'ai fait un pari, un bet, under, l'autre QB. Under passing completion, under 10.5. Ouais. Comme de fait, il a fait 8 sur 14. Donc, pour vous dire, même Tyler Boyd, ouais. C'est 5 catch, j'ai fait under. Je pense que Jamar Chase a eu un catch dans la game. So, on peut dire avoir que sans Burrow, les Bengals vont aller nulle part. T'as même pris que Burrow soit healthy pour que l'équipe gagne. Ouais. Donc, Bengals, c'est fini. Browns, par contre, comme t'as dit, Deshaun ne jouait pas du bon football anyway. C'était Myles Garrett qui faisait l'équipe au complet, quasiment. Dans les dernières semaines, c'est ça qu'on remarque. Donc, les Browns pourraient dire 50-50, mais Bengals, non. Spenty? Les deux teams ne font pas les playoffs. Oh! La seule manière que les Browns feraient les playoffs, c'est si c'est les meilleurs deuxièmes de n'importe de toutes les divisions, puis ça ne va pas arriver. Il va y avoir les Bills ou les Dolphins, il va y avoir Les Browns sont dans la même position que les Bills. Je sais, je suis d'accord avec toi, mais j'ai quand même plus confiance avec les Bills puis Josh Allen. N'oublie pas que depuis l'année passée, ils ont rajouté une team de plus dans les playoffs. So, tu peux avoir une fiche perdante puis faire les playoffs. Ben, il va avoir les Texans, il va avoir peut-être les Raiders. Non, pas Raiders. On va voir, bro. Parce les que dans la division des Ravens, avec leur fiche live, il y aurait pu avoir presque les quatre teams auraient presque pu faire les playoffs. Ouais, so, mais là, j'enlève les Browns, puis j'enlève les Bengals. J'enlève for facts les Bengals. Les Browns peuvent encore. Ça dépend qui gagne aujourd'hui. Ils jouent contre les Steelers. Ils jouent, c'est ça, c'est 10-10 présentement entre les deux, mais je pense que les Bills, les Dolphins, les Ravens, les Jaguars, les Texans, puis les Chiefs, Raiders, puis même Chargers sont meilleurs qu'eux. Non. Bon. En parlant des Bills. Bosa s'est blessé aujourd'hui en plus. Bosa. Chargers? Ouais, Joey Bosa s'est blessé. Et lui, ils sont. Comme on l'a dit, le thème de la saison frauduleux, les Chargers, il n'y a pas pire que ça. Ah, oh ben oui, parce que leur défense a toujours été trash. On a toujours su. Il accorde autant de points qu'il marque, bro. Exactement. Ça n'a aucun sens. Puis on se faisait. On était mesmerized par tous les points parce qu'ils seraient toujours en playoff. Mm. Mais on le voit à chaque fois. C'est trop des high-screen games. Mm. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Mais on dit ça, mais aujourd'hui, les Packers, c'est 13 à 16. C'est parce que les Packers sont proches, I guess. mais c'est quand même anormal qu'ils ne scorent pas. Genre. C'est comme c'est la journée qu'ils jouent bien en defense, oh, tout d'un coup, on n'est pas capable de scorer. Genre. C'est comme, c'est juste bizarre. Comme ils veulent vraiment être even. Si on score beaucoup, vous allez scorer beaucoup. Si on ne score pas, vous ne scorez pas non plus. Pas une bonne équipe, ça.
En parlant des Bills, pas une question, mais je voulais en parler. Ils ont renvoyé le OC ou le head coach? Le OC. Le OC. Bills. Spenty, talk to me about your team. Allez, on va voir. Bonne décision ou mauvaise décision? On va voir dans une demi-heure qu'est-ce qui va arriver parce que le gunslinger Papa Allen, Mauvaise décision. Mauvaise décision? Mauvaise décision. Juste parce que le gars qui a blâmé est still dans l'équipe. Ouais, le head coach. c'est pas le premier aussi de Josh Allen, là. C'est son deuxième. Mm-hmm. Peut-être même son troisième, je sais pas. Mais. Ils ont toujours joué de même. C'est pas le OC qui, comme s'ils ont déjà un blueprint de comment ils veulent jouer. Le general manager devrait se faire foutre dehors aussi. Parce que pourquoi? T'as draft un tight end avec ton first pick. Comme t'avais déjà un bon tight end. Pourquoi t'es pas allé chercher un deuxième receiver ou un top running back? Thank you. Les gars, ils sont un running back, c'est plus un receiving back comme t'as besoin d'un grinder, genre. Comme, ils ont pas un football complémentaire. Ils ont allé signer deux wash fucking running back de Murray puis Fournette qui courent un 5-6 quoi? Comme leur. Ils ont. Guys. 6-2. Oh, commence pas. C'était sur le sable. Guys, c'était sur le sable. Je cours un 5. Mais est-ce 4-9. Est-ce qu'ils ont joué Fournette depuis l'ont signé? Ah, il est encore blessé, je pense. J'ai pas vu Fournette jouer. Non, non plus. Il va jouer genre next week ou something. Il va jouer next week, hein. Peut-être aujourd'hui. Moi, je dis under. Bien sûr, pour Fournette, il est sur le Bentley en deux. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est le. Comme. Ils ont voulu faire quelque chose, mais t'as pas fait la bonne chose. Si t'es pour fire le aussi, fire le head coach aussi. Parce que, comme. C'est pas juste lui, là. D'accord. Bon. Next question. Il y a deux rookie QB présentement qui lead en passing yard season. Dans ma role, je pense pas qu'il est rookie, là. Oui, il est rookie. Rookie. Il est considéré rookie, même s'il a joué l'année passée? Il n'a pas joué l'année passée. Il a joué l'année passée, ça se fait. J'ai rien dit. Ok. Bref. CJ Stroud. Ça se pourrait. Des Texans. Et Sam Howell des Commanders. Right? J'ai bien dit ça. Ouais, Commanders, ouais. Parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi c'est les deux rookies qui lead la ligue? Ma théorie, je pense que les deux rookies qui prennent des risques, en gros, aller deep shot plus souvent. Et les receveurs, ils ont plus de deep threat receveurs dans leur team que d'autres équipes. On va parler des top QB qu'on s'attendrait de ça. Ah, il était là l'année passée. Ah bon, excusez. Patrick Mahomes, il n'y a plus de deep threat, vraiment. Ouais. Lamar Jackson, il n'y a jamais eu de deep threat de receveur. Il s'est fait péter, lui. Bills, ben notre gars. Lance des picks. C'est ce que j'allais dire. Notre boy Allen lance des picks. So. Aucune des QB qu'on s'attendait à ça n'ont pas de deep receiver comparé à Texans et les Commanders qui ont Dotson dans les Commanders. McLaurin. Comment? Qui? McLaurin. C'est ça. Logan Thomas. There you go. Et bien Texans, t'as Nico Collins, t'as Tank Dell. Donc t'as des gars qui vont loin puis qui vont attraper le ballon. Attends, c'est son combien de pick là qu'il lance là aujourd'hui? Deuxième de suite. Bon. C'est qui? Oh, Trout? Là, c'est Karma. Yo. Voilà. On parle de lui puis il lance des pics. Donc voilà pourquoi le jeune de Keenan, guys, ça va être 20 à 16 pour les Chargers. Donc voilà pourquoi je dis que DJ Stroud et puis Sam Howell ont lead la ligue, juste pour ça. Moi, je pense que la ligue est juste sont dans des problèmes à la position de QB parce que cette saison, on a vu plein de QB avoir des super max contracts. Super trash. Yo, mais ils sont tous super mid. Daniel Jones. Tout le monde est mid. Je pense pas que ces deux QB-là... Bah, peut-être Daniel Stroud. Daniel Jones méritait pas son contrat, là. Absolument pas. Même Herbert des Chargers méritait pas son contrat non plus. Là. Arrêtez, là. Herbert plus que Daniel Jones. Oui, tu perds en playoff à chaque fois, tu n'as pas un match contract. Mais ça pour dire que il y a eu aussi beaucoup d'injuries. Là, tu vois, Cousin est out. Cousin, c'est un gars qui fait beaucoup de verges. T'as Joe Burrow qui a été injured toute la saison. Mais comme, c'est fou à dire que comme toi, c'est peut-être à cause qu'il y a eu son bye week puis il va l'air dépassé cette semaine, quoi qu'il joue pas bien aujourd'hui. Sam Howell, je pense pas qu'il va rester dans le top comme ça. CJ Stroud, la façon qu'il joue, pas aujourd'hui. mais il fait quand même des yards. Il a lancé des picks, mais il fait des yards. Il devrait quand même être dans le top. Mais je pense vraiment que c'est juste les QB sont pas wow, genre comme c'est pas comme quand il y avait Tom Brady, Peyton Manning, puis chaque année, ces gars-là, ils savaient qu'ils allaient jouer. Comme, ils pouvaient jouer sans running back, puis ils allaient still lancer 4000. Ouais, c'est yes, ça. Facile.
To be fair, même si Stroud et Howell, ils lead la ligue présentement, sont pas out of this world meilleurs que les sont genre 150 verges de plus que les autres. Sam Howell, je veux dire, il joue probablement tout le temps from the back, faut tout le temps qu'il lance. Le seul que je suis vraiment impressionné, c'est CJ Stroud, parce qu'il est en train de put up numbers qu'aucun rookie QB a put up. Ouais. On est actually en train de l'inclure dans le MVP running, peut-être pas après cette game-là, parce que... S'il gagne. Ouais, s'il come back, il gagne déjà. S'il gagne, on parle de peut-être MVP. Voilà. Mais comme Nicky a dit, man, tous les autres QB, vraiment underwhelming cette année. Cette année est vraiment bise cette année, comme NFL. Comme tu vois, je vais donner un exemple en fantasy. J'ai Jalen Hurts. Jalen Hurts est nice parce qu'il fait toujours le rushing touchdown, ça me donne 20 points à chaque game. Mais s'il ne faisait pas son rushing touchdown, il y a plein de games que comme je serais comme shit. Mon QB ne va pas donner des... Pas trash, mais c'est pas... C'est ça, c'est pas wow, genre. Mais même real life, comme il y a pas vraiment... Il y a eu des vraiment bonnes games de plusieurs bons QB, mais ils ont pas été consistants. Et c'est ça qui manque cette année, the consistency. Peut-être le sec. Je dirais que toi, à cause de Tyreek Hill... Au début. Il y a eu un 3-4 game off. Contre les teams médiocres. Exact, t'as raison. Contre les Broncos seulement, actually, presque. Oh, parce que les Broncos, quand ils jouent contre une bonne équipe, la défense se réveille. Maintenant, ils sont un peu mieux qu'au début de la saison. Attends, mais là, ils ont joué contre des top dogs. Moi, je te dis, quand ils jouent contre des top dogs, ils jouent du gros football. Ouais, ils ont battu les Chiefs et les Bills. Exact. Non, mais t'as un bon point, Spenty, t'as un bon point. Bon, Houston. Oh. Ça, c'est... Oh, c'était CJ Stroud. Ouais, c'est ça. On vient de parler de ça. Oui, ils ont battu... On va en parler, là, mais CJ Stroud, Houston a battu les Bengals. C'est un shootout. Est-ce que à cause, ils ont battu les Bengals avec un Joe Burrow healthy? Il était peut-être pas healthy. Il était? Ah, il était healthy. Il y avait un wrist avant. Quand il est descendu de l'autobus, il y avait une affaire sur son poignet. Non, ça, c'était pour les Ravens. Contre les Houston, il était correct. Ah. Parce que j'avais les stats de Joe Burrow, là. Parce que, C'est un shootout. 347 verges. Ma bad, tu sais. T'as raison. C'est la semaine d'après. Parce que là, on est revenu deux semaines en arrière. Exactement. Ouais. Voilà, OK, c'est ça. Donc, toi, pour dire que... Est-ce qu'après avoir gagné ce shootout-là, est-ce qu'on peut dire que les Texans, c'est une équipe qui va se rendre loin dans les playoffs? C'est-à-dire qu'ils vont battre au moins la première équipe. Au moins la première équipe. Pas comme les Chargers. Donc, plus loin. Fenty, vas-y en premier. Moi, j'ai embarqué sur le CJ Stroud bandwagon. Oh, t'es en train? Moi, je suis sur le train. Moi, j'espère qu'ils gagnent une playoff game. Mm-hmm. Mais juste se rendre dans les playoffs, c'est déjà amazing pour les Texans. First year avec ton rookie QB. So, déjà là, c'est un accomplishment. Puis, il ne faudrait pas demander plus que ça. Moi, je suis bien dans le train. Ça a commencé avec Nico Collins. J'ai commencé à bet Nico Collins. Tank Dell. Puis après ça, Tank Dell. Puis là, j'ai vu si j'ai choisi de tenir nice. Là, j'étais comme shit. Mais cette semaine, je suis contre les Cardinals. Ouais, j'ai pris Cardinals parce que pour moi, c'était un trap spot. Après avoir battu les Bengals, je pense que c'était rendu à 4 games de suite qu'ils auraient gagné. Puis là, next week, ils jouent contre les Jaguars. J'ai comme, ah, c'est une game comme où ils pourraient genre drop la game. Mais moi, je suis bien dans le camp de je veux Texan battre les Jaguars puis que Texan gagne la division. Genre. Oh. Moi, c'est, je suis dans ce camp-là. Puis en playoff, ils sont capables. Je dis pas qu'ils vont nécessairement gagner, mais je pense qu'ils peuvent upset une team. Okay. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de commentaires là-dessus. Je suis pas sûr. Je suis pas encore sûr. Jump in. Ah non, non. Depuis les Jets, j'ai compris ma version de jump in and the bandwagon. Non, pour ça, relax. Je regarde. Ils jouent bien. Non, les Jets m'ont traumatisé. So, non, mais ça, pour de reste, c'est un fake hype. Non, toi, t'as pris dans la Moi, hype. J'ai pris depuis le premier pre-season, la première saison de SFB News. À cause du pre-season, ils avaient gagné leur game. C'était comme 3-3. 4-0. Puis toi, 4-0. J'ai dit, oh, les Jets sont là. Finalement, ils ont fait une fiche de 2 quelque chose. C'est correct. So, là, je vais attendre encore un peu. Rendu peut-être la 15e semaine, je vais prendre une décision sur si ou non. Quand ils vont peut-être qualifier pour les playoffs ou pas. C'est sûr. Moi, je dirais next week. Next week, ils jouent contre Jaguar. This is the game. Parfait. La game pour décider. Si tu vois qu'ils sont trash, ben tu dis non. Puis s'ils gagnent, ben ils sont being for real. Parfait. Parce qu'ils ont déjà battu les Jaguars une fois. So, ils vont avoir l'avantage. Je suis d'accord avec ça. Donc s'ils gagnent, je jump. S'ils gagnent pas, je jump pas. bon, on a parlé de Joshua Dobbs. Et maintenant, les Vikings.
pour remplacer Kirk Cousins qui s'est blessé durant la saison. Là, Joshua Dobbs joue vraiment du bon football. Okay. Beaucoup de gens, beaucoup de fans des Vikings sont en train de regarder Joshua Dobbs comme le futur des Vikings. Ah ouais? Oui! Demandé à Jalil? J'ai pas demandé à Jalil. Jalil, écoute-nous, dis-moi si c'est pas vrai. Mais les fans sont high, je vois les commentaires, tout le monde est go, Joshua, parce que on s'entend, le gars est arrivé dans une game, il va pratiquer un snap avec l'équipe et il a aussi réussi à gagner la game. Mm-hmm. Right? C'est l'année de free agents pour Dobbs et Cousins. La question est, est-ce que Vikings vont re-signer Cousins ou ils vont aller avec Dobbs? Je vais commencer par dire que malheureusement, Cousins est out. Mm. Cousins est out. C'est temps de Dobbs. Dobbs est venu nouveau. L'énergie est bonne. Les GM aiment ça. Je suis sûr que les sales numbers ont augmenté. Le hype est là. On adore l'énergie de Dobbs. On adore le personnage qu'il représente in and out the field. Moi, je pense que c'est Dobbs on the way et Cousins. On va lui dire merci. On va avoir un bon départ puis on va l'envoyer chez lui. Spenty? Oui, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'ont gagné les Vikings avec Kirk Cousins? Wow. Ils ont gagné beaucoup de games. Ils ont gagné beaucoup de games, mais qu'est-ce qu'ils ont gagné de important? C'est vrai. Rien. Et voilà. So, Kirk Cousins, I'm sorry, t'as été un très bon QB des 4. Attends, ils vont encore pas punt? Mais Dobbs in. My bad. D'accord. Regardez la game de Arizona, je suis involved. moi, pour le reste, je pense que les Vikings pourraient re-signer Cousins. Et moi, je pense pas qu'ils devraient, mais je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils re-signent Cousins. Dobbs va vouloir un contrat qu'il assure d'être. Qu'il a mérité. Ouais, qu'il a mérité. Comme, je pense qu'il voudrait start pour une team. Donc, il y aura plusieurs équipes qui vont vouloir le prendre. Après, qu'est-ce qui est arrivé à Cousins? Comme je pense, si Cousins aurait eu une mauvaise saison, puis là, ils auraient dit, OK, non, c'est fini. Mais là, il s'est blessé. Je pense qu'ils vont dire, OK, on peut te re-signer encore pour, on va dire, un an, puis on va voir ce qui se passe. So, je pense qu'ils vont reprendre Cousins, puis Dobbs va sûrement être dans une nouvelle team next year. OK. Kaza? Personnellement, je pense que Dobbs devrait play le field en free agency. Comme Nicky a dit, peut-être qu'il peut start dans une autre équipe. Ou peut-être que Vikings va lui donner un contrat qu'il peut pas refuser. Parce que Cousins, je pense que ils peuvent le re-signer, ils peuvent re-signer Dobbs et les faire fight, pour le starting QB job. Personnellement, c'est ça que je vois. OK. Donc, signer les deux. Impossible. Je regardais la passe. Il parlait de la game. Mizogod était involved dans la game de Cardinals. Il est exempt. Comme, s'il fait des commentaires, c'est pas contre nous. Toi, nous, on l'ignore. Toi, contre nous. Il parle à la game, là. Ouais, c'est bon. So, non, c'est un bon take. Je trouve que c'est vrai que les faire fight, comme vous avez dit, pour la position, c'est not a bad idea. Non. Friendly competition. Oui, mais c'est deux starter QB de la NFL. Ils vont les deux avoir un job dans une différente team, puis that's all. Dobbs est devenu un starter cette année. Oui. Ouais. Il a gagné son spot dans n'importe quel team qui n'a pas Pat Mahomes. Il est starter. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'un QB. Il pourrait aller, comme Patriot, t'as pas de weapon, mais il pourrait aller à Patriot. Les Giants aussi pas de QB. Les Raiders ont besoin de QB. Dans des mangos comme ça, regarde, c'est le mango dans les mains du D-Line. Ça va être la même chose pour Kirk. Kirk peut aller n'importe où aussi, là. De la game infinie. Ouais. Kirk pourrait être starter dans n'importe quel team qui a besoin d'un QB. Ouais, non, mais Kirk, c'est ça. Je pense que les Vikings vont regarder. Les Pats. Oh, ouais. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est pas un... Et ça... On parlait des Pats. Mais est-ce que tu laisses Justin Jefferson? Tu passes à... J'ai Justin Jefferson à... C'est lui qui décide. Je suis Justin. J'irais quand même avec une autre équipe. J'irais genre avec les Raiders. Moi, j'ai Davante Adams. Ouais. Oh. Tu as les rumeurs, Davante Adams veut aller aux Jets. Romeo Dobbs. C'est impossible. Quoi, c'est impossible? Non. Il a quitté Aaron Rodgers, c'est pour une raison. Il y a des rumeurs que là, il est fâché puis il veut revoir son boy. These are fake. Non, là, il est plus fâché parce que son head coach est. These are fake. Ouais, ils ont fait le coach. Il y a eu un touchdown aujourd'hui. Il est plus fâché. Il est correct. C'est qui les sources pour cette rumeur-là? Comment? C'est qui les sources pour ces rumeurs-là? Des gens, mon gars. The scores. The scores. Oh, j'ai gagné un bet. Let's go. Pourrait? On va continuer. God damn. Moi aussi, je vais avoir une explication. Puis j'ai gagné. On va te bêter. Je l'ai eu quand on a commencé. Toi, t'as gagné aussi. Il manque juste fucking Montgomery, score un TD.
Pas bien pour moi. Moi, j'ai rien gagné encore. Anyway, bon, ça, c'est ma question que j'ai rajoutée. Quand Mizuka est rentré dans le studio aujourd'hui, il a crié haut et fort, Tony Pollard est trash. Haut et fort. Là, je suis comme, il donne le gage. Le gars a une bonne saison est passée, tu disais qu'il est trash. Et il m'a montré le résumé des games cette saison. Mm. Et en effet, Tony, c'est pas quand elle est passée. Là, ma question à vous tous, c'est après combien de games peut-on dire qu'un joueur est en train ou a fell off? Fenty, you start. Bon, premièrement, je suis déjà allé pick up sur le waiver wire son backup. Rico Suave. So, moi, je suis déjà. Frank en avance au train. Moi, je suis déjà sur le train. C'est là. Lui le chauffeur. Comme. Lui et Najee Harris ont perdu leur spot cette année. Oh, shit! Le lifeline des running backs est tellement short dans l'NFL. Ouais. Que, Voudrais, si on te donne la chance puis tu l'utilises pas, bro. Ciao. Ciao, bro. On passe au prochain. Oh, my goodness! On est quasiment rendu, on passe au prochain. Puis moi, je suis déjà là. Moi, je suis déjà. J'ai déjà pick up son remplaçant, bro. Rico Dwattle? Dwattle? Moi, je l'appelle Rico Suave. Oh, man, yo! Je suis d'accord avec Frank. Regarde, Zeke, il avait tous ses problèmes. Au moins, aussi, il était capable de... Devant le goal line, il était capable de donner le touchdown. OK? Même ça, Paul n'était pas capable de faire. OK? On le met à la ligne de 1 et il va se faire stop deux fois. Non, c'est pas lui qui traverse le terrain. Sidney Lamb traverse le terrain. OK? Lui, il n'a rien foutu. On lui donne le ballon first and 10. C'est second and 12. Oh, wow. Okay. Puis là, c'est dilemme pour first down. Okay. C'est ça que Pollard fait. Il te fait une grosse course par game. Une grosse course. Comme là, aujourd'hui, il a commencé la game. Il y avait, je pense qu'il y avait deux courses. Il y avait comme 40 verges. Live, je pense qu'il y a une douzaine de courses, 60 verges. Là, c'est le temps d'avoir de manga. Comme, il peut juste rien faire. Là. So, moi, c'est dilemme. Les Cowboys, ils vont se faire éliminer en playoff. La raison, ils vont dire, oh, on n'a pas de run game, on n'est pas capable de push le pile de mon touchdown, on doit mettre le ballon dans les mains de Dak, Dak lance des picks. Parce que là, Dak, il joue contre des team trash, puis tout le monde pense qu'il est bon là. Mais quand il va rejouer contre des bonnes teams, il va recommencer à lancer des picks. Montgomery? Non, c'est best off à la ligne. Ok, mais là, ils vont appeler Montgomery. C'est Gibbs. Non, mais il n'y a pas ce qu'on veut. C'est tout à Montgomery. Ils n'ont pas de timeout. Mais les Bears ont fait timeout. Ok, mais anyways, tout ça pour dire que. Le Pollard, c'est pas le main back, c'est pas un all-purpose back, c'est un change of pace back. Il faisait ses affaires parce que Elliott frappait les gars, puis les gars étaient fatigués, puis son speed changeait la game. Ouais. Mais comme main backs, that night, it's not le gars. It's not him. Bon. Freeman. Bad. Personne. Pas après moi. C'est ton nom. Oh, il y a 16 games dans une saison de la NFL. Moi, j'irai avec le quart de la saison, donc 4 games plus 1. Bon, après 5 performances médiocres d'un joueur, je pense que c'est temps de considérer que le joueur va faire l'offre. Ça a plus que 5 games. Ils sont méchants. Non, je suis raisonnable parce que je trouve que plus que 5 games, la saison est en jeu. Donc, je comprends, but yeah, même ta position est en jeu. Même quand t'as dérangé l'année passée, 30 nouvelles saisons, 5 games, c'est tout ce que tu donnes à un partner. Tu sais, dans, on appelle ça business. Oui. Donc, you're only as good as your last performance. Tu comprends? Comme si, peu importe ce que LeBron a fait l'année passée, s'il ne fait pas épreuve cette saison, c'est sur cette saison qu'on va juger. LeBron is an all-time great. On parlera de basket après. Ouais, mais j'ai pris LeBron comme un exemple. Mais on peut prendre ton boy Jalen Hurts aussi, tu vois? Donc, okay. Non, mais c'est différent parce que là, on t'a donné la chance d'être the guy. Comme tu peux avoir une down season. Ok. Mais si t'as déjà montré que t'es the guy, t'es the guy. Mais là, il n'a pas montré qu'il était le guy. Non, Elliott était encore dans la team. T'as raison. Bon, okay. C'est ça. Ok, regarde. Moi, je suis toujours méchant. Pas beaucoup de gens trash. Je suis très méchant, mais aujourd'hui, je me sens généreux. Moi, je donne au moins. After the season. 8 games. Ben, on a passé le half. Il y a eu 3 bonnes games. Non, il y en a eu 2. Il y a eu 3 bonnes games.
Une game en reception, il y a eu comme 80. Non, moi, je parle de pure rushing, là. Comme OK, de pure rushing. Rushing, comme okay. On a besoin que tu cours. Ils ont des receivers, là, dans cette équipe-là. On a besoin que tu cours okay. Inside, que tu fasses des touchdowns devant le goal line. Tu vas faire ça et j'ai un petit back, là. Ben, c'est ça. T'as raison. Mais en général, un joueur normal, je donne au moins half of the season. So, s'il y a 9 games trash, OK, là, il est trash. Il y a 9 games, 10 games de bon. Tu sais pourquoi il est trash? Parce qu'il joue contre des vieilles équipes, puis il fait pas. C'est ça le problème. Ça c'est un autre aspect qu'on a dans la conversation. Quand tu joues contre des équipes trash, regarde là, on va partir sur un débat pendant des heures. Ouais, on analysera ça une autre fois, guys, qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, après combien de games qu'un joueur pourrait être considéré trash? Tout sport confondu. Bon. Bonne question. Bonne question. Attends. Vas-y, vas-y. Il y a des sports où les saisons sont. Oui, c'est ça, mais quand on parle de basket, on parle de hockey, faut qu'on dise le nombre de games, une saison complète, tu sais, comme je veux que les personnes aillent dans les détails aussi, tu sais, je peux juste dire football, basket, 10 games, mais non, mon cher. Mais Harden, en tout cas. 0-7. On s'en vient là. 0-6, audacieux, 0-6. Alright, prédiction, guys, prédiction. On va aller avec la première game, 49ers versus Seahawks. On va commencer... aujourd'hui, ça? Next week? C'est next week. Ah, c'est next week, ouais. C'est next week, right? Je joue contre Tampa Bay aujourd'hui. C'est ça. Je vais aller avec 49ers. Que la D-line, 49ers sont méchants. Je m'en fous de Brock Purdy. c'est vraiment Debo, McCaffrey, et les, Chase et puis Bosa sont en train de déranger. Et Yoke, Kittle, les gars sont en train de faire des fausses affaires, donc 49ers. J'ai rien à rajouter. Moi, je pense que vous devriez juste le fait d'avoir laissé 49ers ajouter Young comme. Dégueulasse. C'est pas parce qu'il jouait super bien à Commanders, mais je pense que le fait qu'il jouait avec Bosa, puis comme ils ont déjà joué ensemble, là, ils ont encore plus de swagger comme en talk defense. Ça va être tough pour les autres teams. Y'a ça? Je suis le groupe, j'allais avec 49ers, moi aussi. Bon choix. Next game. Texans vs Jaguars. Ça, c'est la game qui a décidé si Texans for real for me ou pas for real. Malheureusement, moi, je crois en Jaguars. Jaguars, ça se passe bien. C'est un division game, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis on sait tous que, comme Mizogol a dit, division game is division game. Things are different. Things are harder. Puis le gars qui a plus d'expérience, Trevor Lawrence, va ball out. So, Jaguars. Mizogol? Je vais aller avec Texans. J'ai dit, puis moi j'étais pour Arizona, puis Arizona a perdu. Quand il a lancé trois picks, il a still gagné la game. So, je vais aller avec, il a mal joué, il a gagné. So, maintenant, moi je pense qu'il allait mal jouer parce que justement, il pensait qu'ils allaient jouer contre Jaguar next week. Ouais. So, pour moi, c'est Texan easy. Safety? No way. Mais pourquoi Lola n'a pas sauté sous le ballon? Je ne cours pas non plus, mais il n'est pas en forme. Il n'est pas en forme comme ça. Non, qu'est-ce qu'il se passe? Non, ce gars est con. Il a difficulté à se... Il voulait se baisser, il n'est pas capable. Le script. C'est le script. Spenty? Texan, facilement, en plus. Facilement? Non, ça va pas être facile. Trevor, OK. Division game, Trevor Lawrence fait des yards, mais il lance autant de picks qu'il lance de TD. Cette année, Trevor Lawrence ne lance pas très bien. Il y a 9 TD pour 6 interceptions. Not very good. Quand CJ Stroud a 15 TD pour 2 interceptions, puis c'est les 2 interceptions qu'il y a eu aujourd'hui. 3 aujourd'hui. Oh, my bad. So, Texan, all the way. Yaza? Je vais suivre mon boy LJ puis aller avec Jacksonville Jaguar. Voir une domination. Hard difficulty de cette équipe-là sur les Houston Texans. Et Texans sont home, by the way. Pas grave. All right. Non, moi, j'avais deux teams que je voulais pas voir faire les playoffs cette saison. C'est Jax. Jaguar et Bengals. J'ai pas le choix d'être... Bah, les Bengals font pas faire les playoffs. Mais je savais pas qui allait venir emmerder les Jaguars. Maintenant que j'ai trouvé une team qui a l'air emmerdante, j'ai pas le choix de les back. Je comprends. Next game. By the way,
on peut dire que c'est plus vraiment le AFC South qui est la pire division dans la NFL. On peut dire que c'est le NFC South. Non, non, on avait déjà conclu ça au début. Que c'était le NFC South? Ouais, ouais. Puis on rappelait qui dans le NFC South? Again? Panthers, Falcons, personne. Saints, Bucks. Nobody. Nobody. I forgot about those teams. Yeah, you don't need to talk about them. Je sais pas si quand des fois j'ai vraiment regardé une game. On a des fans. There was some. So, ouais, next game, Bills versus Eagles. Coucou! Spenty, tu peux commencer. Juste parce que je te déteste, les Bills. Les Bills, that's it. That's it, that's it. Juste parce que je te déteste. Bisous, God. I can't be an Eagles fan. Pour l'heure, c'est tough, parce que... Je peux pas répondre à cette question si j'ai pas encore vu les Bills sans leur OC. Non, c'est pas les Bills, c'est pas les Bills le problème. Pourquoi c'est tough, c'est parce que vous jouez demain... contre les Chiefs. Pour ça, c'est tough. So, si vous battez les Chiefs, ça va être dur de battre les Bills. Ouais, moi, c'est ça, je pense, qui arrive. Il y a peut-être un letdown si ils battent les Chiefs. So, c'est juste ça. Dans ma tête, je vous dis que pour les deux prochaines games, je pense que ils gagnent une, puis ils en perdent une. Exactement. So, ça dépend s'ils gagnent deux. Ouais. OK, regardez. On va dire ça. Enfin, les deux. Chiefs and Eagles. Chiefs. Oh my goodness. Chiefs. La défense des Chiefs est nice. Oh oui, je comprends. Mais la défense des Eagles. La D-line des Eagles. La defense. La D-line des Eagles. On t'a montré que nos DB étaient là pour les 49ers. On t'a montré. Is this your king? Take it easy. On sait que tes DB sont corrects parce que vous avez une bonne D-line. That's it, that's all. Tu le sais. Tu le sais autant que moi. Don't lie to yourself. I'm not. Merci. On dirait qu'on va pas la même chose, toi et moi. Pat Mahomes is a different beast que Brock Purdy. Je vais aller avec les Chiefs aussi. Juste parce que les Andy Reid sortant de bail, il est juste nasty. So, je vais aller avec les Chiefs. Et à cause de ça, vous devriez battre les Bills. Kaza, moi je suis le dernier. Kaza. Je pense que je vais aller avec Philippe pour les deux games cette semaine. Oh, yes. Allez tous aussi. So. Oui, on s'en fout de ton opinion. On s'en fout de ton opinion. Je pense qu'ils vont gagner en overtime contre Kansas City Chiefs. Overtime, yeah. Mais ils vont écraser les Bills. Yeah. Bon, ça veut dire les Browns vont gagner. Field goal. I guess ils vont les meilleurs. New York a gagné contre les. Plus. Il reste encore 5 secondes. Faire un pick 6, je pense. La game est terminée. On dirait les Raiders dans la game. Yeah, on dirait que les... oh my goodness, le drop des Chargers. Gumi va gagner contre... Trash, told you guys. Il y a beaucoup d'équipes qui devaient gagner, sont en train de perdre aujourd'hui. Mm-hmm. Betting life, hein? last game, de prédiction, Ravens versus Chargers. On sait avec Kaza. Baltimore. Yeah, good choice. Menti? Baltimore. Yeah. Oh God. Baltimore. Pour être celui-là. Après, en plus, la performance qu'ils nous donnent là en ce moment, les Chargers, là, qui perdent contre les Packers, il n'y a aucune chance que les Ravens perdent contre ça. S'ils perdent comme ça. Non, je ne dirais pas qu'il n'y a aucune chance parce que. ils ont un pat rush, puis Lamar sait tous que des fois, il se fait strip easy dans le pocket. Facts. Mais si les Ravens viennent avec une physicalité, ils devraient run over. Ce qu'ils ont fait dans les dernières games. Ouais, ce qu'ils ont fait dans les dernières games. Comme rôle sur les ouais. Équipes présentes. Put. All right, on a terminé avec la NFL. On va aller avec la NBA. On va être un peu plus quicker. Les Clippers. Ouh, les Clippers, qu'ils étaient 0-6 avec l'acquisition de. Monsieur James Harden qui a fell off into from superstar to all-star. Who pick Ramsey? Wow. Role player. Role player. ils ont eu leur première victoire contre Houston de la boue des fesses. Et oui, il fallait que James Harden fasse le dernier step back three avec un foul. Bravo pour lui. Là, ils sont 1-6. Après cette performance, est-ce qu'on peut toujours dire que c'est un bon call ou un mauvais call d'avoir amené Harden? Et après ça, on va commencer avec ça. Est-ce que c'est un bon ou mauvais call? Je vais commencer. C'est un mauvais call. Présentement, ça va pas bien du tout. Il y a aucune chemistry. J'ai regardé les games. C'est n'importe quoi. T'as des moments, c'est James Harden qui fait les points. Après ça, il force le ballon
à donner à Kawhi, comme si qu'il faut que tout le monde average 15 à 16 points. Personne doit average 30 points ou plus dans l'équipe. Comme bro, il y avait des moments où il y avait un free lane pour aller drive, il force le ballon dans les mains à Kawhi. Ça fait pas de sens. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais on dirait qu'il n'y a pas de stratégie vraiment dans l'équipe. On dirait que tout le monde doit avoir le ballon un minimum de minutes. Donc, c'est un mauvais corps pour moi. Et je pense que ça va aller en pente descendante. Ils ont eu leur victoire des bouts des fesses de Houston, comme je répète. Ça va aller en pente descendante. Mise au God. Ben, pour de vrai, je pas la première fois que je le dis. Harden m'en fout dans l'équipe qui va aller. Son but, c'est d'aller gagner un championship. Si tu as Harden dans ta team, tu vas jamais gagner un championship. So, c'est toujours un bad call d'aller chercher Harden. Point. Benty? T'as beaucoup trop de tight qu'il faut que tu feed. Ça marchera jamais. Là, il a fait le call Westbrook de come off the bench. Mais en même temps, ça, cette team-là va pas marcher. T'as deux guards qui sont washed. T'as Paul George qui va jouer une game sur deux. Puis t'as Kawhi qui va jouer une game sur deux. Puis cette team-là va jamais marcher. Ça s'en va nulle part. Mais moi, je pense que la team peut fonctionner. Mais la team est assemblée pour gagner un chip. Est-ce qu'ils vont gagner un chip? Non. Ils sont en rang des playoffs? Oui. Je pense même pas. Oui, ils vont faire les playoffs. For real, comment ils ont commencé? Ils vont faire les playoffs. Mais ils avaient bien commencé, Harden est arrivé, ça les a redescendus. Voilà. Mais ils vont faire les playoffs. Ils sont 0-6 away, dog. Ils vont faire les playoffs. Ils n'ont pas encore gagné une game away. Avec Harden. De la saison. Ah, de la saison? Shit, top. Mais ils vont faire les playoffs parce que, comment ça s'appelle? Les Nuggets ont commencé comme ça l'année passée. Puis après ça, ils ont un run de game home. Puis ils ont gagné les finals. Baza? Tim, talk to us. Ça va être un peu un rant, mais James Harden, l'acquisition n'était pas nécessairement une mauvaise chose. Et à mon avis, c'est l'utilisation de James Harden. Si vous vous rappelez bien, quand il est arrivé, il a fait une conférence de presse. System. Et puis il a dit, I am the system. Comprends? James Harden, titles, TDs over titles, James Harden. Il focus plus sur aller dans les strip clubs que d'améliorer son game de basketball. Wa pas start dans les Clippers. Le fait de faire Russell Westbrook come off the bench, moi j'aurais tweet ça et faire James Harden come off the bench. Si vous vous rappelez bien, il y a deux ou trois semaines, j'avais dit, je vois pas comment Ty Lue va gérer les quatre starters. J'avais dit, c'est possible. Moi, je vois pas ça arriver. Par conséquent, Ty Lue, je donne jusqu'à Noël pour figure it out. Sinon, je veux que tu perdes ta job. Parce que je suis tanné. On peut pas laisser les crises remonter sur notre tête. La ville nous appartient. Donc, moi, OK, la question de James Harden, j'ai pas de problème avec ça. C'est avec l'utilisation de James Harden que j'ai un problème avec. Donc, je pense que tu peux déjà demander à Tyler de se faire envoyer live. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que tu t'as signé Harden. Merci. Comme, c'est lui est vraiment pas prêt à être off the bench en passant. Il est arrivé en disant je suis le système, puis là tu dis il va aller off the bench. Ça va craser ta team live. La team est déjà crasée. Pourquoi? C'est bad trade. Oui, c'est extrêmement bad trade. Ce que tu dis, c'est un bad trade parce que Harden va jamais aller off the bench. Comme Westbrook, ça lui a pris du temps pour finalement décider qu'il va aller off the bench. Mm-hmm. Comme là, cette année, c'est la première année qu'il va y aller par lui-même, quand ça faisait déjà 3 ans qu'il devait être off the bench. Mm-hmm. Il porcelle. Harden n'est pas encore à ce level-là. Comme il n'est pas encore rendu dans son mind que c'est un bench player. So, tu peux attendre que 3 ans, 2 trades, 2 teams encore. Comme, non. So, la team est déjà crasée, c'est pour ça. Harden a commencé sa carrière off the bench avec OKC. Donc moi, je trouve qu'il devrait avaler son ego et revenir à son état original. Rien ne l'empêche d'être le système off the bench. Exactement. Comme si c'était six men of the year à un moment donné. C'est pas ça qu'il t'a dit dans le press conference. Il t'a pas dit qu'il était starter et c'était lui le système parce qu'il y a quand même pas Josh Kawhi. Ça peut être le système quand les starters sont off le court. Il y a toujours le ballon. Il y a toujours le ballon dans les mains. C'est le dernier à être arrivé dans la team. C'est lui qui doit prendre la paille la plus courte. Off the bench. Anyway, ouais, on change de sujet. Je pour vrai, ce gars-là, là, il ne mérite même plus notre temps. Houston Rockets ont une fiche gagnante pour la première fois depuis que James Harden est parti. On parle encore de lui. Fuck, man. Bon, quelles sont les attentes de cette équipe-là, selon nous? Moi, je pense que quand ils ont commencé la saison, ils ne s'attendaient pas à être aussi boostés, être aussi en chemistry. Je pense que l'énergie de l'équipe, ils se complètent bien entre eux autres. Donc, je pense qu'au début, ils pensaient « in the bottom ». Vu qu'ils gagnaient toutes les games,
je pense que leur but, c'est d'aller le plus loin possible, se rendre même au chip. Je pense que c'est ça leur but. Est-ce que là, ils travaillent vraiment fort, là? Ils ont leur story longtemps. Ouais. C'est comme si le mindset de Houston a juste changé. Donc, moi, je pense qu'ils veulent se rendre jusqu'au chip. Mais ils n'ont pas une team pour ça. Non, c'est ça, exact. Ils vont revenir comme sur Terre. Comme wow. Là, ils ont une bonne home fish. Mm-hmm. À maison, ils sont bons. Mais je veux dire, peut-être c'est le Dylan Brooks mentality qui est en train de leur faire gagner un petit peu de game. Mais je pense pas qu'ils vont être... ils vont être dans le play-in, mais je pense pas qu'ils vont être garantis play-off. Ouais, c'est ça, moi aussi. Je pense aspiration, c'est de faire les play-offs. Comme play-in ou pas play-in. Mais je pense pas que c'est plus que ça. Mais le coach, puis t'es un peu diss Dylan Brooks comme il veut parce qu'il est pas comme un bon scoreur et tout, mais il amène une mentalité. Défensivement, il fait sa job. À part quand il commence à trop se la croire, là, il devient fou, puis il vague, il se fait cook. Mais puis il amène une certaine énergie. So. Puis ils ont quand même Van Vliet qui a un point guard posé. Parce qu'avant, ils jouaient sans point guard. Ils avaient pas de point guard. C'était Kevin Porter Jr. qui n'est pas un point guard. So, tu jouais sans point guard. Ça ne fonctionne pas surtout avec un young team, puis il demandait à Jalen Green de trop faire. Maintenant, il y a eu ça à être un scorer. So, je pense qu'ils peuvent se rendre dans le play-in ou dans la zone du play-in. Puis Sengun est nice, pareil. Oui, il est très nice. Comme center, il n'est pas mauvais comme center. Ouais. Kazan? Houston Rocket, Ime Udoka, c'est la clé de leur succès. Parce que je pense que depuis qu'ils l'ont acquéri, c'est ça qui fait que les joueurs sont plus motivés à jouer. Je pense que c'est un coach qui est très aimé et qui est fort pour le développement de jeunes joueurs. Première affaire avec Boston Celtics. Boston Celtics, on s'attendait pas à ça. La première fois qu'ils sont allés en finale, on s'attendait pas à ça. Mais c'est parce que Ime Udoka, un bon coach. Et j'ai même tweet cette semaine, je pense que Zach LaVine devrait trade à Houston Rocket pour aller aider la team. Non. Donc, moi, je pense que Houston fait les playoffs. Mais là, il y a une mauvaise mentalité. Qui? Zach? LaVine, ouais. Je pense que Ime Udoka va le faire marcher droit. Yo, LaVine a déjà fait vous renvoyer un de ses coachs s'appelle comme Jim Boylan parce que justement le coach voulait les faire marcher droit. Puis ils ont genre fait un team meeting puis le coach s'est fait foutre dehors. Mais LaVine ne peut pas être là. Arriver là. Non, il va vouloir prendre les shots et tout. Puis t'as déjà un emerging player en Jalen Green. Comme ça, je vois. Off the bench. Zach LaVine off the bench? Un gars qui veut mettre tous des gars qui ont des gros égos off the bench. Absolument. Reality check. Ils n'auront pas le choix de donner Green s'ils veulent avoir Zach LaVine anyways. Les joueurs doivent comprendre qu'il y a une hiérarchie dans ce sport-là, tu comprends? C'est pas toi qui décides. Ouais, c'est comment. Moi, personnellement, je trouve que LeBron James devrait être comme off the bench pour les Clippers éventuellement. Putain, ce gars-là me dit. Dans la NBA, c'est un des sports où les joueurs décident, OK? Comme, si je te dis je veux pas être off the bench, je serais pas off the bench. Parce que si tu veux me mettre off the bench, trade-moi. That's it. Le gars, 38 ans, il average 25, 6 and 8. Puis toi, tu veux le mettre off the bench. J'ai dit. Le go! Tu peux mettre AD off the bench. AD est trash. The king! Je peux approuver avec ça, Frank. On peut mettre AD off the bench. So, déjà mis ton boy Reeves off the bench. Mais pas LeBron. Hein? Ton boy Reeves est off the bench. Ouais, en tant que leader de la team, il a décidé de se sacrifier. Le leader de la... Next. Timberwolves! Woo! The Ant-Man! The Ant-Man est en train de cook présentement. Et il a cook deux top dogs de sa conférence. Nuggets and... Non, l'autre. Ils ont battu Nuggets, ils ont battu Boston. Dans l'autre conférence. Excuse-moi, Nuggets et Boston. Et les Warriors, ils ont battu aussi. Ouais. Yep. Après que... C'est après le... Après que Green a décidé de goûter, il pense qu'il est à la WWE. Anyway, je peux parler de ça, tout le monde en parle beaucoup. Ant-Man, est-ce que Timberwolves est une équipe qu'il faut absolument garder cette année de près? Est-ce que ça va être un choc s'ils se rendent en finale? Est-ce que même il pourrait gagner la NBA cette année? Spenty, you go first. All right. Premièrement, je vais dire que les Timberwolves, les joueurs ont compris leur rôle. Comme Rudy Gobert. Rudy Gobert a compris qu'il est juste là pour prendre des rebounds. Puis that's it. Ant-Man, c'est le scoreur. T'as Karl Anthony Towns qui fait ses shit aussi. Il prend des rebounds, il marque des points. So, moi, je pense qu'ils ont commencé à bien gel together pour dire qu'ils vont faire le East Final, le West Final ou le Final Final. C'est un reach encore. Parce qu'il faut qu'ils battent Denver. Qu'ils battent les Mavs. Effectivement, ils battent les Mavs. Ah, we don't know, mais c'est un up-and-coming team.
Kaza, vas-y. J'approuve avec tout ce que mon coach a dit. Les finals, c'est un reach. Par contre, je pense qu'ils peuvent se rendre jusqu'au second round des playoffs. Mais au God? Moi, je pense que c'est sûr qu'ils font les playoffs. Je pense que c'est la team probablement que tu ne vas pas vouloir voir en playoffs. Parce que je pense que la team prend l'identité de Edwards. Il y en a une autre team que j'aimerais pas savoir en playoffs. C'est passé de Towns à Edwards. C'est la team à Edwards maintenant. Et je pense que, je ne dis pas qu'ils vont nécessairement aller en finale, mais je me dis qu'ils sont capables d'éliminer une bonne team. Là. Comme, ils pourraient arriver puis éliminer les Nuggets, genre, on va dire. Parce que l'année passée, il n'y a aucune team qui a mieux joué contre Nuggets que le Timberwolves. Mais il y a toujours le weakness que Gobert prend contre les teams qui ont un center qui shoot à 3 points parce qu'il ne peut pas sortir du paint. Il ne peut pas cover. Et moi, personnellement, pour Timberwolves, je préfère un shocker. Je pense que comme Boston, on s'est rendu en finals. Je pense que les gens peuvent être saisis, comme tu as dit. Mais Nuggets, présentement, ils jouent sans Jamal Murray. Mm-hmm. Puis on sait tous ce qui se passe quand Murray puis Joker sont ensemble, puis que les deux sont healthy. Ils ont leur chemistry on point. Une équipe qui est très, très difficile à battre 4 games de suite. Donc, mais je pense que si tout le monde joue leur rôle correctement, c'est une tête, arriver en 7, en finals, puis gagner. Ça peut arriver. T'as dit qu'il y a une autre équipe que tu vois choc. L'autre team que je pense qui va être comme la team de Boston que tu parlais, c'est OKC. S'il y a une team que j'ai pas envie de meet, c'est OKC. OK. OK, oui. Ça fait du sens. Très bon début de saison. Shea est on fire. Mm-hmm. Les autres joueurs font leur rôle. S'il y a une team que je ne veux pas rencontrer, c'est OKC. And I have to say qu'on débattait entre Victor et Chet. Je pense que Chet, présentement, est en train de découvrir. Ouais, ça dépend, parce que Victor, il fait des vieilles games, puis après, ça fait une grosse game, puis après, ça fait des vieilles games, puis après, ça fait une grosse game. Ouais, mais j'aime pas ça, moi, pas consistant comme ça. Mais pour tourner à OKC, je pense que, justement, OKC, c'est une team à surveiller aussi, mais dans le fond, Timberwolves est un an plus avancé dans leur développement, parce qu'ils ont fait les playoffs, là, ils se sont fait éliminer. Là, ils savent c'est quoi, les playoffs. OKC, s'ils ont fait les playoffs l'année passée, je pense pas. Non, c'est pas si ça. Ils ont besoin d'expérimenter c'est quoi les playoffs. Comme je sais que Shai a déjà fait les playoffs, mais c'est pas tous les gars dans la team qui ont fait les playoffs. T'as quelque chose à rajouter? Non, j'étais en accord avec Miso God. OKC est inexperience pour season-wise. Donc, je pense pas qu'on peut s'attendre à ce qu'ils se rendent deep dans les playoffs cette saison encore. Il va leur falloir 2-3 saisons avant que ça arrive. All right. Bon, vous pensez? Wow, c'est une grosse question, ça. C'est une vraie question. Vas-y, pose la question. vous pensez quoi de présentement des Bucks? Vous pensez quoi présentement des Bucks? Benty? Ils sont troisième dans l'Est. Okay. Ça, je sais pas de quoi tu parles. Oh, comment? As-tu regardé les games? J'ai pas vraiment regardé les games des Bucks, mais... C'est tough. Giannis average un double-double. Okay. Lillard average 25 points par game. So, je comprends pas c'est quoi le problème. C'est tough, man. Je trouve que les gars jouent mieux quand un des deux est pas là. Merci. Laura a regardé les games. J'ai pas regardé les box. Non, les gars sont ensemble, ça fait pitié, ça fait dur, c'est long, puis ils gagnent la peau des fesses. J'ai regardé la game d'hier, donc, par exemple. Turnover, on turnover, on turnover. Ils jouaient contre les Mavs. Les Mavs. C'est une team que je pense. C'était une grosse game. Kyrie a joué une grosse game. Sans defense. Doncic a joué une grosse game. Sans defense. Kyrie a joué une grosse game. Giannis a joué une grosse game. Mavs a zéro defense. Les Bucks étaient une team réputée pour leur defense. Tout d'un coup, les gars prennent 130 points pour aller mettre n'importe qui. Mon cher, est-ce que t'as vu les games qu'on joue les Mavs? En fait, yo, et des games, l'équipe adversaire prend des offensive rebounds sans arrêt. Ouais. Luka saute pas. Kyrie saute pas. C'est qui les autres big? Les autres c'est big. Lively, c'est un rookie. Il a 10 rebonds. Il se box out. Écoute, ça fait pire. Les Mavs en defense. Soit quand chaque dit. On parlait des Bucks. Non, mais les deux font pitié, actually. Les deux font pitié. Okay, okay. Le total pour cette game-là était 240 cucks, là. Comme 240 ouais, points. Ouais, il était high, là. Il était. Soit quand chaque il dit barbecue chicken. Lille a des barbecue chicken en défense. Okay. Chicken. Il se fait cook par n'importe quel guard. So, si vous voulez faire des bêtes, vous voyez un point guard qui joue contre Lille. Si Lille joue, prend le point guard, point. Point assist. C'est un point guard qui faisait pas de double-double, ça se peut qu'il est un checker. bro. C'est pitoyable comment ils ont aucune defense. Puis
comme Laurent a dit, quand les deux jouent, quand les deux, Lillard joue pas tant bien quand Giannis est là, mais quand Giannis est pas là, il fait 37 points, 40 points. Alès. Giannis joue pas tant bien quand, à part la game d'hier, quand il joue contre une team qui avait pas de defense. Mm-hmm. Quand Lillard est là, mais Lillard n'est pas là, 40 points. Yo. Donc, les gars, comme, leur game est pas encore, ça marche pas encore. Je sais pas donc ça va rester comme ça toute la saison, là. Ils ont le temps de manage, puis, vu qu'ils sont une bonne team, ils vont gagner leur game, puis ils vont pas être trop bas pour, pas faire les playoffs, là. Mais je pense pas que c'est une team qui est number one team dans l'Est. Je pense même pas qu'ils sont la troisième meilleure team live. Kaza? De toute évidence, j'ai pu observer que Milwaukee et les Clippers ont à peu près le même problème. Ils ont eu un blockbuster trade en début de saison et les gars n'arrivent pas à bien jouer quand tout le monde est sur le terrain en même temps. Donc, j'ai dit la même chose avec les Clippers. Quelqu'un doit come off the bench. Ok. Toi, t'exagères. Eux, ils ont juste besoin de work les things. Exactement. Non, ça va arriver. J'ai même pas eu le temps de finir. Si ils n'arrivent pas à figure it out, ça met qui off the bench? DC All-Star Weekend, All-Star Break. Hein? All-Star. Ça met qui off the bench? C'est février, All-Star. Le dernier gars qui est arrivé. Ok, oh. Lillard. Puis ça met qui point guard? Starter. Le backup point guard? C'est qui? Je sais même pas. Bon, tu vois, ça s'arrête. Ça va marcher entre Lillard puis Giannis. C'est pas, ça prend juste prendre du temps, bro. Je l'espère, mais. Puis. Off the bench est toujours sur le plan pour moi. Oui, puis pendant ce temps-là, ils sont still en train de gagner. So, moi, pour l'instant. Ouais, mais. Il est pas là pour regular season wins. Ils sont là pour un chip. So, si ça marche pas, comme on dit en playoff, même si tu. Dès que tu te perds. Dès que tu gagnes pas le chip, c'est perdant ton affaire là. C'est boss. Ok, gars. Il y a eu 10 games qui sont joués. Ouais. Et il en reste encore 70. Ouais, je sais. Et dans ces 70-là, ils peuvent cliquer. Ouais. Puis ils vont still faire les playoffs. Mm-hmm. Puis il faut juste ça clique juste avant les playoffs. Non, moi je pense. À la fin de la journée, ils sont still en train de gagner des games. Je pense que s'ils vont pas chercher genre un defensive player pour guard, le meilleur guard de l'autre bord, mais ouais, ils vont faire les playoffs. Ils peuvent gagner une série, mais je pense pas que c'est un contender. All right. I'm sorry to tell you, dans un pod, every week, on va parler comme si c'était les finals. Mais je sais qu'ils vont être bons. Présentement, this game, non. It's not going well. On va pas parler comme ça. It's not going well. I'm telling you right now, it's not going well. On va pas parler comme ça parce que ça fait aucun sens. Call Damien, call Janice. Relax. It's not connecting right now. Yeah, on va faire la même chose avec Télécus alors. Ok, on continue. Bref, Memphis ont perdu un joueur clé, guys. Encore? Marcus Smart. C'est dead, c'est dead. Get. GG. Bon, est-ce que leur saison est terminée? Oh, j'ai dit GG. On peut switch. Oui, GG. Oui. GG. Oui. Ok. GG. Et out-for-season? Non, il n'est pas out-for-season. Jusque... Trois semaines. Non. C'est pas grave, c'est GG quand même. Ouais. Ils vont pas avoir cette win pour... Bref. D'ici le temps que Ja revient, ça va être too late. Ouais. Tu peux still battre les Lakers en play-in. Ouais. Oh, arrêtez-moi ça. Non, tu te rends d'accord avec ce statement-là. Oh, the king's gonna cook you all. Oh my god. Anyway, prédiction. Mercredi 22 novembre, Celtics versus Bucks. Quelle grosse game. Spenty. Bucks, nobody's stopping Giannis in that paint chez les Celtics. Okay. Oh non, yo. Oh non, ça c'est. Yo, you only did. Non. Okay, non, Alfred, une année de plus. Non. Alfred a mis Embiid in jail l'autre jour. C'est vraiment ça. You're going nowhere. Regarde. Je suis tanné dans l'autre. Ça c'est Boston. Ok. Même si Giannis fait 50 points, Jolidé va déranger Damien Lillard. Ok, Jolidé, 30 points cette game-là. Double Metsuli. Double Jolidé. 22 novembre. Kaza? Milwaukee Bucks va battre Boston. My hard difficulty. Ok. What does that even mean? Kaza, ça a été tough game. Ça veut dire que la game va être décidée dans les dernières minutes. Ok. Ça se peut. C'est bon. Boston all the way. Boston all the way. Je suis désolé là. Ça, c'est Drew Holiday Revenge Game là. Oh. Méchant. Il était avec Milwaukee en plus avant, ouais, right? Oui, ouais, c'est Revenge Game. Tu m'as tué pour Lillard. Ok. Comme il va être comme Mule. C'est Middleton qui a des problèmes, c'est pas moi. 76ers versus Timberwolves. Je vais commencer. Timberwolves. Timberwolves, je pense qu'Edmund va cook. Là. Dès qu'il joue contre des gros joueurs, des big names, il joue toujours mieux. Ouais.
Je vais aller avec 76ers parce que Embiid a le edge mentally sur Gobert et Towns. So, d'habitude, ils cook ces deux gars-là. So. Je vais aller avec Embiid. Menti. Je vais y aller avec 76ers. Je vais aller avec Embiid puis Maxi contre Ant-Man. Puis le reste. Le reste. D'accord avec toi, bro. Je vais aller avec Minnesota Timberwolves. Je pense que les gars ont un peu plus de... Comme s'ils veulent être le agresseur. Ils se sont fait un peu humilier par Draymond Green l'autre jour. Donc là, je pense qu'ils vont venir avec une énergie pour gagner contre Philly. Parfait. Maintenant, samedi le 25 novembre, Dallas versus Clippers. Kaza, vu ton équipe, tu peux commencer. Si James Harden come off the bench, Clippers, sinon j'allais avec Dallas. Mavericks. Parfait, donc Dallas a gagné. À cause que Dallas a une vieille defense, mais à cause que Clippers n'ont pas de big men non plus vraiment sur le terrain, une grosse game de out, je vais aller avec Dallas. Je pense que Doncic va cook. Ouais, Doncic cook toujours Clippers. Il me semble qu'ils ont joué cette semaine contre. Oui, puis il les a. Yeah. Comme qui, c'est pas c'est Shaq ou. Non, c'était. Perkins avec le 7-rond. Je pense que Lucas va faire une deuxième fois la même chose au gars. Ouais. Christian McCaffrey, TD, by the way. Ouais, je le vois. Mais je vais. Le vrai, je viens de dire que genre Clippers va avoir fix something out. Je vais essayer avec les. Je vais essayer. Mais Doncic devrait le faire. Comme quand même scoré comme proche de 40 points là. Doncic et Kyrie vont les cook. I'm sorry. Et c'est sûr que Kawhi ou Paul George vont pas jouer la une de ces game, cette game là. So je vois pas Harden puis Westbrook stop Kyrie puis Doncic. I'm sorry. Là j'ai remis encore les Clippers mais cette fois-ci contre les Nuggets lundi le 27 novembre. J'étais très loin. Pourquoi? Parce que c'est chaud pour en parler guys. Donc Nuggets versus Clippers. So God. Ouais, I guess Nuggets. Si ils battent Dallas, je peux pas me dire qu'ils vont gagner ces deux games-là. Ces deux games-là sont logiquement back-to-back. Je me dis pas qu'ils gagnent ces deux-là. Sauf que je suis obligé d'aller avec Nuggets. Moi, je collais le upset là-dessus. Moi, je pense que les Clippers vont gagner. Je pense qu'ils vont se prendre une frappe contre Dallas puis contre Nuggets. Parce que c'est les Nuggets. Soit Kawhi ou James vont jouer une bonne game cette game. Mais ça, c'est deux games qui est arrivé cette semaine. Clippers a joué contre Nuggets déjà. Ouais. C'est fou ça. Je vois pas les Nuggets perdre ce game-là. Gaza? Clippers en overtime. Alright, c'était tout pour la NBA. Avec toutes les choses qu'on a oublié de parler? Non, je pense pas. À part l'affaire de Draymond Green, guys, je sais, on sait tous, Draymond Green a étranglé Rudy Gobert parce que Rudy Gobert a mis la main sur Clay pendant une milliseconde. Et personne n'a pris le bac à Gobert. Personne n'a pris le bac à Gobert parce que Gobert est un joueur qu'on n'aime pas. On va pas parler de ça aujourd'hui, on le sait tous. Bref, Champions League, j'ai mis deux petites questions parce que les games, ça vient prochaine. Ouais. Pour les gens en général comme moi qui connaissent pas ce que, ou connaissent, qui apprennent de plus en plus, c'est qui Jude Bellingham? Oh my God. Golden Boy Award, talk to us. Jude Bellingham jouait pour Dortmund l'année passée. Yep. Il a signé un gros contrat au Real Madrid. C'est un Anglais super boosté, milieu central, mais présentement, il est utilisé bizarrement avec Real Madrid, puis Carlo Ancelotti l'utilise un petit peu comme numéro 10 attaquant. Donc, il marque beaucoup de buts, il marque des gros buts à des moments super importants. Oui, Golden Boy, c'est un des meilleurs jeunes joueurs de notre génération. Puis, yep. I wish qu'il continue comme ça parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment bon. Yep. Sur la lancée de Real Madrid, Vesuvio? Vinicius, s'est blessé. Ouais. Est-ce que c'est la fin au Real pour le Champions League en sachant que Vinicius s'est blessé durant, avec Brésil durant... Quoi, il est out for season? Out. Ouais, c'est une grosse blessure. Non, c'est pas fini. C'est pas fini? Non. Là, on va faire prédiction, mais leur prochaine game, si je me rappelle bien... Ils jouent Napoli. Merci. Napoli qui est une bonne équipe. Ils viennent de fire leur coach, Napoli. So, ça va être... on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'il va gagner, toi. Je pense que Madrid va gagner en Champions League parce que c'est tough. C'est tough
changer de coach puis aller jouer contre Madrid, bro. Surtout à Madrid, probablement. Juste donne-moi deux petites secondes, on va voir si c'est à Madrid. Ouais, à Madrid, changement de coach, ça va être tough de battre Madrid, là. Je ne vois pas Napoli gagner, même si Vinicius ne joue pas. Comme je te dis, Jude Bellingham joue du très bon soccer. Ils vont changer la formation en place de jouer un 4-3-3. Il va peut-être jouer un 4-4-2 ou un 4-2-3-1. On va voir qu'est-ce qu'il va faire, mais Carlo Ancelotti est trop un bon coach pour que Vinicius soit la perte de sa saison. Parfait. Moi, je te back. C'est réel. Champion mentality. C'est pas un joueur qui... Ils ont les joueurs aussi pour le remplacer. Mais est-ce que c'est le premier game que le coach, le nouveau coach va coacher pour Napoli? Ben, il va jouer une game en Serie A pendant la fin de semaine. Puis après, il va jouer... Donc, d'habitude, quand il change de coach, ça donne un juice pour quelques games. Peut-être que Napoli va bien jouer. Ils vont sûrement bien jouer, mais c'est quand même Madrid à la maison. Ouais. Moi, la seule raison pourquoi je pense que ça va rien changer, c'est que moi puis les Brésiliens qui font un peu too much, I'm not a fan. So, des fois, juste avoir... Ils vont avoir un autre style, puis ça peut prendre les teams... comme les teams pourraient être surpris de... Du nouveau joueur qui va le remplacer, dans le fond. Des groupes qui ne sont pas encore décidés. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions. Non, c'est tout. Vas-y. Barça, Porto vont voir c'est qui les leaders de ce groupe-là. Donetsk, c'est pas loin avec 6 points. On a aussi le groupe de la mort qui n'est pas encore décidé. Milan, Newcastle, PSG puis Dortmund. Ça, toutes les game days, ça va être différent. Newcastle a fumble the bag. Fumble the bag. Milan sont en train de come back. So, on va voir. Il y a le groupe d'Atletico qu'on n'aime pas vraiment. C'est Lazio, Atletico, Feyenoord puis Celtic. C'est pas encore décidé. Pour le reste des groupes, c'est pas mal tout décidé. So, ça se peut qu'il y ait des teams qui restent puis ils jouent pas leurs meilleurs joueurs. So, ça se peut que ça soit plate, ça se peut que ça soit super entertaining. Yeah. Moi, c'était tout pour Champions League. Non? All right. NHL. Un petit NHL update pour nos Canadiens. Encore pas pour nos fans. Bon, personnellement, j'ai regardé les games. Je suis pas très fier de regarder les Canadiens. Yeah. Cat lost back to back to back. The back! Non! Vancouver est pas une grosse team comme ça. Oui. Dans l'Ouest, c'est une des meilleures équipes de l'Ouest présentement. Relax, take it easy. OK, all right. Bref, 5-2. On a mal perdu contre les Flames. Les Flames. On a mal perdu contre les Flames. Est-ce qu'ils ont une bonne équipe? Non, mais leur goaler a joué la meilleure game qu'il a jamais joué de la saison. OK. Puis les Flames, je blâme la défensive. Je trouve que... On a perdu 2-1, bro. Non, la défensive, le deuxième but, un but donné. Je sais pas qui... J'ai oublié le nom du patinet. J'ai résolu prendre son nom en note. Je m'excuse. Je commence à prendre des notes quand j'écoute les games. Le gars a fait du crétin. Le gars va devenir sérieux, là. Il a fait du crétin. On a perdu 2-1 contre les Flames, puis leur goaler nous a volé la game. Relax. Okay. Puis après, les Golden Knights, qui sont une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Tu n'as pas dit qu'on joue contre Boston? Puis on a perdu contre Boston. 5-2, ça c'était une frappe. Mais Boston est aussi une des meilleures teams de la NHL. Oui. So, écoute, moi... On a perdu contre 3 des meilleures teams de la NHL. J'aime pas ça. J'aime pas ce que je vois. On n'est pas censé battre ces teams-là de 1. De 2, est-ce que c'était entertaining? Absolument. Bon. C'était entertaining. Bon. Si j'ai un billet de Centre Bell, je vais aller voir la game de Centre Bell parce que c'était entertaining. J'ai adoré checker les games. J'étais assis sur mon divan, comme dit un bon Québécois. Je regardais la game passionnément. Donc, les gens, ils coupent le hockey, vous recommencez, c'est nice. Toutefois, en tant que Canadienne, Montréalais. On ne va pas prendre 4 frappes dessus, je veux une victoire, là. Bro, tu joues 3 des meilleurs teams de la NHL, bro. C'est quoi leur fiche? Du Canadien? Ouais. Présentement, on est dans les playoffs. Ils sont bons, alors. 7-9-2. C'est bon. Ok. Pourquoi? On fait pas les playoffs. On est 14e sur 16 dans l'Est. Où est-ce qu'on est censé être? Mais c'est ça, mais ils sont quand même proches de 50-50, ben, moitié-moitié. Ouais. Mais au hockey, c'est dur pour être comme proche du 500. Non, mais ce que je veux dire, tu me dis 7-9, ils viennent prendre 4 défaites de suite. So, clairement, ils étaient dans une bonne position il n'y a pas longtemps. Ouais, avant ça. Ouais. Puis moi, quand je regarde, so far, je regarde ce que je pense. Défensivement. Défensivement, ça ne fonctionne pas. Je pense que chose qui ne va pas. Non, chose qui ne va pas bien. Les gars, c'est quelque chose qui va pas bien. Ils savent pas c'est qui leur goaler numéro 1, premièrement.
Deuxièmement, on a genre deux ou trois défenseurs blessés. Puis c'est tout quasiment des défenseurs recrues qui jouent. Donc, on n'est pas censé... comme enlève la mentalité. Enlève la mentalité, il faut que tu gagnes des games. On va pas gagner des games. On doit perdre des games. On doit perdre le plus de games possible. Le tank. Non, non, non. Moi, oui. Non, moi je veux... Ben non, je m'en fous parce que je suis pas un fan des Canadiens. Mais la meilleure solution pour eux, c'est jouer leur, comme le plus dur qu'ils peuvent. Puis s'ils perdent, ils perdent. Mais à chaque fois, ça doit être top effort. Donc comme ça, tes joueurs, ils ont une mentalité qu'ils veulent gagner, mm-hmm. mais c'est juste qu'ils n'ont pas arrivé. Puis éventuellement, quand ils vont devenir meilleurs... Éventuellement, on va gagner. Bro. Ils vont gagner. Mais si l'organisation draft des bons joueurs, puis ils font pas des trades stupides. Mais bon, à part de ça, moi, je pense qu'on avait dit ça l'année passée. On avait dit quoi, ils étaient à peut-être à 4 ans d'être bons. 3-4 ans, ouais. Donc cette année, tu dois juste te dire... Tu veux juste voir que tu as des joueurs qui sont capables de scorer des buts. Comme tu veux voir des joueurs que ça va être tes centerpieces dans les années futures. Puis tu le vois. Tu veux identifier ces joueurs-là. Tu le vois. Tu vois que Suzuki joue bien. C'est ça. Cole Caulfield joue bien. Ouais. Le défenseur Kaden Gooley joue bien. Anderson me déçoit. Ouais, oublie Anderson, lui, il s'en va. Anderson s'en va. Armia s'en va. Justin Barron joue bien. Des gars comme Harvey Pinard qu'on pensait qu'ils devraient mieux jouer, ils ont pas un bon début de saison. Tabarouette, j'ai tout le temps la misère. Jacky, j'ai tout le temps la misère de dire son nom. Il joue bien. Comme tout notre core de joueurs joue bien. C'est ça qui est important. Après, il faut trouver un goaler, puis rajouter quelques pistes, puis on devrait être good. Le fait qu'il continue à battre Maple Leafs, tout le monde devrait être content. Yeah. Et puis Boston, de temps en temps. Puis Boston, de temps en temps. Comme on a battu. Mais, pour dire aussi, mais toi, tu dis perdre, je vais arrêter là-dessus, pour ça, je pose le podcast. Mm. Je voudrais pas qu'on tank et que Saint-Louis soit envoyé. Il va pas se faire envoyer. Il l'aime beaucoup comme joueur, je l'aime beaucoup comme coach. Il va pas se faire envoyer pour la seule raison que on n'est pas censé faire les playoffs. On n'est pas censé gagner toutes les games. So, on va lui donner une chance. Puis tu le vois que les joueurs progressent avec Saint-Louis. So, il va pas se faire envoyer. C'est pas un Ty Lue, là. C'est pas un vieux coach. Oh my goodness. All right, guys. C'était tout sur les Canadiens. Comme je vous dis, épisode, on va s'améliorer. On va mettre plus de comments, plus d'opinions et plus d'analyses. Sur ce, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Nope. Like, comment, share, subscribe. Partagez, guys. On aime ça. Merci de nous écouter encore. Et puis, ouais, on continue à augmenter, on continue à s'améliorer. Et puis, comme vous avez vu aujourd'hui, la vue a changé. On va aller tenter un 2-2. Comme ça, on s'amuse, on s'améliore, on grandit dans le podcast. Donc, sur ce, peace.